papy. Aïe. Moudemba. Ouais, ouais. C'est comment? Je suis là, le papy. Aïe. Allez, madame. Trouve une chaise à Moudemba. Qu'est-ce que c'est? Aïe. J'étais chez toi. Les enfants m'ont dit que tu es au champ. Que je suis au champ? Ouais. C'est mon jardin public privé à Nina qu'ils appellent le champ. Mais comment sont ces enfants? Ils sont dotés d'une insolence caractérisée. Laisse-le-moi. Hein? Tu sais que c'est ici que je passe mon temps. Question de communiquer avec la nature. Oui, oui. Hein? Vraiment. Ouais. Comment ça? Depuis que ta fille est partie là, tu as pris aussi une femme comme elle. Ah, vous n'êtes pas laisse. Ok, merci. Assieds-toi. Oui, oui. Assieds-toi, c'est du bon vin. Tu vois que les patriarches comme nous, on aime trop les bonnes choses. Sinon. Je suis là. Il y a des que je vais te rendre visite. Non, tu as bien fait. Et tu m'as trouvé directement dans la consommation. Tu vis dans un an comme un blanc. Hein? Je souffre encore de quoi? Hein? Ma fille quand même me met en haut. Ok. Ça, c'est encore quoi ça? La pipe des blancs. Hein? La pipe des blancs. Donc pour voir. Doucement. Tu risquerais remplir ton ventre de fumée. Ça sent bon. Hey. C'est la pipe des blancs. Merde. Anina. Toi, tu as toujours les bonnes choses. Ta fille te garde comme ça, pourquoi tu utilises ça seul? Ah, Moudemba, laisse! Cette fille que j'ai mise au monde, Nina, Nadège, est sortie avec beaucoup de douleur. C'est pour cette raison que depuis sa naissance, j'avais juré qu'elle ne doit plus ressentir la douleur. Ça là, c'est bon. Okay. Comment tu peux garder? Donne-moi! Hein? Elle a dit c'est pour moi. Laisse-moi au moins ça là. Attends, tiens, encore. Si, une dernière fois. Oui, allô? Ah oui, frère, c'est comment ça va? Ouais, j'ai manqué ton appel, tu sais, trop d'affaires et toujours dans les marches et tout et tout. Oui, voilà, quand ton passeport, tu me l'envoies directement pour que je lance la procédure du visa et dépose l'argent sur mon compte. Ouais, direct. Hein? Non, t'inquiète. Tu sais, c'est mon business, quoi. Et puis ça, c'est tranquille. Non, pas de soucis. J'ai l'habitude de le faire, oui. Mais non, ton visa sort sans problème. Très rapide. Bah voilà, oui, dépose l'argent directement là maintenant sur mon compte et puis je m'occupe du reste. Ouais, c'est trop rapide. Oui, c'est trop rapide parce que mon sponsor est. J'ai un sponsor qui est vraiment tout à fait. T'inquiète. T'inquiète, donc tu seras prêt tout à la fin de cette semaine. Oui, dépose. Vas-y.
Ouais, d'accord. Comme je t'ai dit. D'accord, d'accord. Ouais, je te rappelle. Je t'ai dit de l'envoyer dans mon compte. Oui, t'inquiète, ça marche. Ah, Mimi, ça va? Ça ne va pas. Oh, pourquoi? Ça fait un bail. Non, mon visa. D'ici quelques temps, t'inquiète, ton visa sera prêt. Nasser, jusqu'à quand? Je suis fatiguée, ça fait déjà combien de mois? Je te comprends. Mais voilà, tu sais, c'est le gouvernement ici, c'est pas de ma faute en fait. Non, c'est trop. Je te comprends. Non, je te comprends. Calme-toi, et d'ici peu, ce sera prêt. Tu sais, ça combien de mois je suis calme, j'ai été très calme. Je t'ai donné du temps. Là, c'est trop. Aujourd'hui, je veux mon visa. Aujourd'hui. Non. Aujourd'hui. Merde. Ça, c'est bien. Il faut me donner. Ta fille te ment en haut. Mmh. Et sans que je viendrai te rendre visite de temps en temps. Uniquement pour tirer. Mmh. Il n'y a pas de problème. Tu es quand même mon ami. Anina. Ok. En passant, comment va ta fille? Mounemba. Nadège se porte très bien. Ok. Plus qu'un pantalon qu'on a plié et repassé. Hein? Wow. Depuis qu'elle est là-bas. À Dubaï, c'est les blancs. Nadège est devenue blanche comme les blancs. Ah bon? Mm-hmm. Si tu vois Nadège, Nina, tu ne peux plus la reconnaître. Ah bon? Elle a pris la peau blanche. C'est là où j'ai compris que Nina, la peau blanche se contamine. C'est vrai. La peau blanche se contamine. Parce que Nadège, en quittant ici, elle était plus noire que moi. Ça, c'est vrai. Mais le seul fait, chaque matin, elle salue le blanc. À midi, elle salue. Le soir, elle salue. Au fur et à mesure, elle a changé. Wow. Elle n'a aucun problème. Récemment, elle m'a appelé. Hein? Oui. Elle m'a dit qu'elle voulait déjà aller aux États-Unis. Wow. Hein? Je lui ai envoyé un peu d'argent pour compléter ce qu'elle avait pour le visa. Hein? Alors, donc bientôt, je vais te dire que ma fille n'est plus à Dubaï, elle est aux États-Unis. Ça, c'est bien ça. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, je veux mon visa. Calme-toi. Non, c'est trop. Calme-toi. Tu escroques ta soeur. Escroque Nasser, tu escroques ta soeur. Escroque je te fais confiance, tu m'escroques. Non, je veux mon visa. Tu sais, c'est pas de ma faute. Non, je veux mon visa là. Laisse-moi t'expliquer. Je veux mon visa là. Non, calme-toi. Là, je veux mon visa. Calme-toi. Non. Mon agent. Non. Mais ici, soit le visa, soit mon agent. Mais ici, pardon. Mais je t'appelle la semaine prochaine. Non, il ne veut plus. La semaine prochaine, je t'appelle. Je veux mon agent. Non. Soit le visa, soit l'agent. Mais c'est quoi? Mon propre frère camerounais, je veux mon agent. Finalement, moi, je ne comprends même pas. Pourquoi tu poses des choses comme ça en route? Quand tu as pris l'argent, tu n'as pas dit que c'était là-haut. Je veux mon argent, soit mon argent, soit mon fils. Ça fait vite, pardon. Non, en fait, de quel argent tu me parles? Pardon? Qu'est-ce qui prouve que tu m'as donné de l'argent? De quel argent tu me parles? C'est ce que tu me donnes. Non. Hein? Calme-toi. On est en route. Tu m'as donné mon argent. Moi, je n'ai pas de preuve que tu m'as donné de l'argent. Hein? Mon propre frère camerounais. Moi je vous comprends pas, on veut vous aider et vous commencez à faire le scandale en route, tu me croises en route, tu fais le scandale. Moi je ne reconnais pas cet argent. Hein. Tu vas donner mon argent au juge, monsieur. Ah moi je ne sais pas de quel argent tu parles. Hein. Nasser, donc tu es comme ça. Hein. Désolé, je ne sais pas de quel argent tu parles. C'est pas que tu es malhonnête comme ça, Nasser. C'est pas question de malhonnêteté. Tu peux me croiser en route, tu te mets à faire du scandale comme ça. Je suis quelqu'un de responsable. Trop de choses.
Madame, faut pas. J'ai dit que j'ai trop de choses à faire. Non, ma soeur, non. S'il nous frappe, qu'est-ce que tu vas dire? Calme-toi. Non, ma soeur, non, il faut laisser. Je vais appeler la police, il faut laisser. Tu peux pas appeler la police. Je vais appeler la police. Si tu parles là, il te frappe, qu'est-ce que tu vas dire? Non. On ne peut pas appeler la police dans cette situation. On ne peut pas appeler la police. On va lui déporter. Tu comprends pas quoi? T'es un bandit là-bas. Fais ce que tu veux. Je vais te montrer. Tu es chanceux. Et bientôt tu vas me voir véhiculer. Et sache que comme elle est devenue blanche là. Mm-hmm. Toi-même tu es blanc. Moi-même je suis déjà un blanc. Voilà pourquoi j'ai pris Nina, une fille à son âge, pour toujours rester aussi jeune que possible, comme elle est jeune. Hein? Ouais, c'est ça. Hein? Et tu as une très belle femme. Ah ouais, on l'appelle Ngandja. Ngandja. Mm-hmm. Ok. Uh-huh. Donc, quand j'ai dit à ma fille Nadège que est-ce que tu sais que j'ai épousé ta copine, elle me dit hey, papa, comment tu es un gros papa comme ça et tu épouses un petit fils? Je dis que tais-toi. Hein? C'est ça. Ngandja. Faut bien prendre soin de lui. D'accord. Tiens-le bien. Elle le fait déjà. Sinon, c'est comment avec la plantation? Ah, la plantation, tu sais, quand tu mets les plantes au champ, quand ça produit déjà, le voleur vient, il vole sa part, il laisse ta part. Ce que le voleur laisse là, je me bats avec. On est là. Depuis que ma fille est partie, j'ai abandonné les plantations. J'ai dit que je m'en vais encore chercher quoi? Hein? Est-ce que je manque de quoi Nina à manger? Non. Est-ce que je manque de quoi me vêtir? Non. De temps en temps, mm-hmm. Pense aussi à moi. Ah oui, c'est vrai. Il faut que de temps en temps, je te contamine. C'est ça. Hein? Ouais. Tu es toute seule. Qu'est-ce qu'il y a? Sandra. Mon papa a tout vendu pour avoir de l'argent. Le cacao. Même ses terrains. J'ai pris l'argent. J'ai donné à un Camerounais. Il m'a jamais fait le visage. Sérieux? Mm-hmm. Je croise le monsieur là-bas. Il me dit que est-ce que j'ai les preuves? Je suis sûre que lui donne l'argent. J'ai les preuves. Il me tape. Il a osé te frapper encore dessous. Mmh. Mais si il a le culot de te frapper, mmh, et te demander les preuves. Oui. Mais c'est pas vrai. Et puis encore le monsieur avait une autre fille. Même problème. Oh. Même problème. Donc c'est un bandit. C'est un escroc. Un anarqueur. C'est pas sérieux. Oh là là. Attends, il faut qu'elle explique ça à mon père, oui, comme tu es même là. Il faut l'appeler, il faut l'appeler. Il faut lui expliquer. Sans le visa là, oui, tu peux rien faire, ma chérie. Nada, je m'appelle encore pourquoi? Allô? Allô? Oui, Nadège. Bonjour, papa. Ça va un peu, toi? Ah, papa, moi j'ai un grave problème ici. Un problème? Toi, quel problème? Oui.
t'appelles que tu m'avais envoyé pour le visa là. Oui, je t'ai envoyé récemment l'argent Nina pour ton visa. Oui, j'ai donné ça à un gars pour le visa. C'est même ça le problème, papa. Il m'a jamais fait le visa jusqu'à présent. Quoi? Merde! Papa, à l'heure que je te parle là, j'ai vu le gars là. Il m'a venu pour prendre mon argent. Et il m'a arrêté, il commence à me taper, T'es frappé? Il connaît qui je suis? Tu lui as dit qui est ton père? Il n'a pas les preuves. Merde! Ne pleure pas, Nadège, ne pleure pas! Il n'a pas les preuves. Il a eu ma mère en bouche. Oh, l'argent! Tu ne peux pas avoir un père, Nina, notable chevronné de mon état, et tu pleures quoi? Le reste, ça va. Il connaît qui je suis? Tu lui as dit qui je suis? Nadège, laisse. Je dois lui montrer la montre. Il va voir le Voirac. Merde. Comment? J'envoie mon agent pour le visa de ma fille. Il prend, il mange. Et de sur quoi? Il la bastonne. Je jure. Je vais te faire pisser le sang. Jusqu'à ce que tu résolves le problème de ma fille. Je vais te voir pisser le sang. En plein jour. Papa Ezaboto, je t'ai parlé ça avant-hier. Laisse-moi te dire quelque chose. Mais non, tu m'as dit que tu connaissais. Je t'ai dit que j'étais avant-hier que il y a les Bachirou, il y a beaucoup de gens qui font déjà voyager. Cible vraiment la vraie cible pour envoyer l'argent à l'enfant parce qu'il y a trop de frappeurs à Dubaï. Tu m'as dit que non, laisse pas ça. Est-ce que je connaissais? Je me tente, tu m'as dit la montre. Je ne connaissais pas. Pardon, si elle disait que Nina c'était Bachirou, est-ce que je devais douter? J'ai seulement envoyé comme ça. Je t'ai dit d'appeler Bachirou. Mais alors la bière, tu as combien arrosé le visa, non? Arrose, nous sommes là. Pasteur, il a dit combien arrosé le visa et sa fille. Je vais montrer la montre. Oui, vivons d'abord. Je vais lui montrer la montre. Vivons d'abord. Il va voir le Koun Fayakoun. Merde. Je ne vois pas pour le visa. Hein. Ma fille à Dubaï, maintenant récemment, elle voulait partir aux États-Unis. Il fallait le visa, il fallait l'argent. Nina, j'ai pris mes dernières économies, j'ai envoyé un salopard à manger. De sur quoi? Il a frappé sur elle. Il a tapé? Il a frappé sur elle. Elle m'a dit qu'elle est tombée au goudron, soulevait les pieds en l'air. Tu m'as appelé depuis le Gabon que je viens pour boire la bière du visa. Je suis déjà au Cameroun. Voilà ça qui arrive. Donc je dois boire la bière du visa. Il a quoi l'argent, il est à casser. Il a mangé. On va sauf que boire. Nous sommes de papa et ça, mais vraiment. Dans tous les cas, ce qui est important maintenant, c'est la bière. Pour le visa, on va résoudre ça après. Mais quand cela ne tient, je vais lui envoyer un message. Ah oui. Présent Thierry. Ne lui veux pas seulement pisser le sang. Il va pisser le sang. Non, il ne veut pas ça, papa. Il va pisser le sang. Il ne fait pas ça. Appelle d'abord ta fille, on calme la situation. J'ai dit, ma fille m'a appelé, elle a pleuré au téléphone. Et je n'aime pas quand Nadège pleure. Parce que tu aimes beaucoup ta fille là, moi. J'aime ma fille. Et c'est elle qui va porter Nina, le flambeau de la famille. Vraiment. Tu avais dit que tu aimes ta fille aller au Gabon. Tu as refusé que le Gabon c'est trop proche. Tu l'envoies aux États-Unis. Non, je ne veux pas l'envoyer au Gabon. Si je décide de l'envoyer au Gabon, c'est que tu as déjà une bonne boîte. Jusqu'à enceinte. C'est pour que l'héritage augmente. L'héritage augmente comment? Tu veux rester seul? Tu es mon ami, tu veux bombarder ma fille ou quoi? C'est pour agrandir la famille. Ah Thierry, toi tu es le manger d'argent, tu ne veux pas le manger de ma fille. Bon, maman, envoyez-nous un casier de bière. Même comme on a frappé son argent pour le visa, mais je vais montrer la montre.